Le fonctionnement du tour à découper un lot. Vous avez donc une fraise, qui est donc un tube en acier rapide, et ça tourne donc à une grande vitesse, 7000 tours à la minute. Et au niveau du fonctionnement, vous avez un système de levier qui permet de faire avancer un axe et puis de le reculer pour découper donc les pions. Et à chaque fois qu'on a découpé un pion, vous avez un système d'éjection à l'intérieur donc de l'axe du tour à découper. Et une fois qu'on a découpé un pion, il est immédiatement éjecté grâce à un système d'éjecteur avec une tige et puis un ressort. Et ben, on va travailler comme ça tout le temps, toute la journée, et ça sera tout le temps le même mouvement. Alors, vous tenez comme ça donc le levier donc du tour à découper à l'eau, et quand vous reculez, vous relevez votre trocat d'un cran et vous appuyez donc sur le levier, et tout de suite ben, ça provoque la découpe du pion puisqu'on appuie sur le levier. Et le fonctionnement, c'est ça du matin au soir, il n'y a rien d'autre à ajouter.